Je viens d'écrire des petits textes que j'ai envoyés à un ami, un vieil ami. Plein d'un espoir tout fébrile, je lui demandais comme la plus grande des faveurs son avis sincère sur ses écrits. Peut-être ai-je trop insisté sur le mot faveur. C'est bien sincère. Bref, comme c'est un ami, un vieil ami, il me l'a donc fait cette bonne vieille faveur. Avec toute la sincère amitié vraie, virile, voire un chouïa rustique, que ma bonne lumière. Tant d'amitié. Ça m'a fait chaud au cœur. Il y a dans la vie quelque chose qui m'a toujours un peu crispé. Bien que je sois d'une bonhomie confondante, ce sont les gens qui vous donnent rendez-vous et qui arrivent le plus naturellement du monde en retard. Cette Québécoise, donc, de passage à Paris, vivait en Espagne pour apprendre le flamenco. Rendons-lui justice. Les Ibères devaient être dans un état d'hébétude absolue en la voyant danser, tant elle était somptueuse. De grands hivers en amande, un petit nez à rendre fou le plus intransigeant des portraitistes, de longs cheveux châtains finement négligés, de taille un peu au-dessus de la moyenne, une poitrine voluptueuse et ferme, des jambes aussi puissantes que félines, illustrant ainsi une démarche délicatement chaloupée, et des muscles fessiers. Si j'en parle, j'éclate en sanglots. Aïe, 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 aïe. La bataille d'Hernani! Hernani, me voici! Pour son de Cassiova! Passez sur moi. Alors que déjà les prémices du vertige s'amorcent dans un allemand de plus en plus haletant, je constate que la soubrette, probablement dans un excès de zèle, a lassé les jupons à double nœud. Ah, oh, j'avais une idée à la base, hein. Si, si. En plus, j'étais inspiré, hein. Ah, oh, je voulais écrire une histoire qui aurait été géniale. Une histoire que je... Enfin, qui... drôle et tout, mais là... Impossible de trouver une fin. Le milieu n'est pas très clair non plus. Quant au début, pas la moindre idée. Handicapant, hein. Oh. Un idiot! J'ai l'honneur de servir depuis des années la mairie du 18e arrondissement comme gardien remplaçant. Tâche pas trop complexe, mais qui nécessite tout de même que je sois là. La disponibilité, quoi. Disponibilité que j'accorde très généreusement parce que si je cause du salaire... Du vendredi 18h au lundi 8h. Une fois à l'artillerie de papier hygiénique des Water. J'ai pas pu faire pendant tout le week-end. La sournoise. Si c'est pas une tentative d'occlusion intestinale, ça. Ouais. N'empêche, tel le sioux qui dans l'herbe haute ou perle la rosée du matin se dissimule pour surprendre le buffle somnolent, je guette ma vengeance impitoyable. Dieu est bonté, Dieu est amour, chanté sur un ton. D'à côté, les paramilitaires, ils pourraient aller défiler à la Gay Pride. Sans critiquer, j'ai senti tout de même plus près à me donner un coup de baramine sur la gueule qu'à me faire un bisou. C'est la première fois que tu me parles comme ça. Mange. Ça passe pas. Bois. Ça passera pas non plus. Déglutis. Tu sais, Philippe, à l'occasion d'un peu précédé à l'heure de son sujet, hein. Et mon Dieu, dans un moment d'exaltation, le faire suivre par divers types de compléments. Ainsi, de cette manière, l'on forme un enchaînement de mots qu'on appelle en termes courants une phrase. La ferme. Oh, le bougnafier. On a peut-être une chance de s'en sortir. Eh bien, tu as une prise ici. Ici? Oui. Un peu rugueux. À trois, tu tires de toutes tes forces. Trois. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis transpercé le doigt! Ne fais pas un imbécile, tu vas nous faire découvrir! Mais je te l'avais bien dit aussi que le soleil est que... Ne crie pas! Papa, saisis! C'est toi, reste silencieux! Tu as raison. Si nous voulons nous échapper,
un semblant de discrétion et de rigueur. Je vais prendre sur moi. Mais n'as-tu pas fini de faire le pitre?